Aujourd'hui, ça fait 27 ans. 27 ans qu'on se connaît. 27 ans que je vous filme. Nos routes se sont croisées par hasard en 1991 au Burundi. Vous étiez des enfants et vous viviez dans la rue. Quand je suis arrivé à Bujumbura pour la première fois, j'avais jamais été en Afrique de ma vie. Mais je suis arrivé là, je n'y comprenais rien. L'initiative de cette chronique ne vient pas de moi du tout. Hein. Je rencontrais tous les matins et tous les soirs cette bande de 6 enfants de la rue. Et Zorito, le chef de la bande, m'a interpellé plein de fois. Et donc j'ai commencé à rester avec eux tous les soirs, plus en plus tard, à parler avec eux, à jouer avec eux, à être là tout bêtement. Et c'est Zorito qui m'a dit, Filippo, tu dois faire un film sur nous. Et il revenait avec ça tout le temps, et moi je lui disais, mais non, Zorito, je ne vais pas faire un film sur vous, je vais faire un mauvais film sur vous. Vous méritez bien mieux qu'un mauvais film, j'y connais rien. Demandez à un Burundais de faire un film sur vous. Ils ont éclaté de rire, Leblanc, il ne comprend rien à rien. Il n'y a pas un seul Burundais qui va faire un film sur nous. Les Burundais, on est invisible pour eux. On ne peut pas filmer l'invisible. On est invisible, ils ne nous voient pas. Et les seuls moments où ils nous voient, c'est quand ils nous frappent, ils nous insultent ou ils nous crachent dessus. C'est ça que Zorito a dit. Et donc Zorito est revenu à la charge plein de fois. Et un jour, il m'a convaincu. Il m'a dit, tu es le seul à pouvoir faire un film sur nous, puisque tu es le seul à nous considérer, à nous voir, à nous aimer, à nous respecter. Et tu es le seul à avoir le pouvoir de faire que ce film va passer à la télé. Quel pouvoir j'ai ? Et il me dit, tu as deux fois le pouvoir. Ce sont ses mots, hein. C'est incroyable ce gars. Il a dit, tu as le pouvoir parce que tu es blanc. Donc, tu vas pouvoir convaincre le général de la télévision. Et tu as le pouvoir parce que tu as une caméra. Et là, pour quelqu'un qui a... Les gens qui sortent de l'INSAS, ils peuvent dire ça. Et lui, un gamin de 11 ans qui vit dans la rue depuis l'âge de 6 ans, et il me dit, tu as le pouvoir parce que tu as une caméra. Là, j'étais soufflé, quoi. Donc j'étais voir le directeur général de la télévision et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un film sur les enfants des rues. Et j'ai eu un accord. Donc je suis revenu avec cet accord auprès de Zorito. Et donc j'aurais dit, je ne vais pas faire un film sur vous puisque je ne connais rien. Je leur ai dit, les meilleurs experts de votre vie, c'est quand même vous-même. Et vous allez, par exemple, je ne vais pas vous interviewer, vous allez vous interviewer mutuellement puisque vous savez très bien, vous allez poser les questions qu'il faut poser. Et pas des questions à côté de la PAC, puisque vous êtes au cœur même de votre vie. Et ça a commencé comme ça, en fait. Je devais les quitter. Je rentrais avec l'équipe de Cafoui en Belgique. Et je devais leur dire au revoir et c'était insupportable. Je savais que je les laissais dans une misère, dans une merde terrible. Et moi, je rentrais dans mon petit confort tranquille à Bruxelles. C'est pas facile à accepter. Hein. Et tout a commencé à s'agripper à mon t-shirt en disant « Emmène-moi avec toi, emmène-moi avec toi », en pleurant. C'était vraiment émotionnellement difficile à vivre, quoi. Et donc, j'aurais dit, ben, de toute manière, je reviendrai pour vous montrer le film lors de la première à la télévision. Et quand on s'est revus, c'est là qu'on s'est fait cette promesse un peu naïve de se filmer, que je reviendrai les filmer à chaque moment charnière de leur vie jusqu'à ce qu'on soit tous morts. C'est ça les termes exacts que je leur ai proposés. Et je leur ai dit, moi je vous fais cette promesse et vous me faites la promesse de tenter de rester en vie pour le film. Bon, évidemment, c'était une manière de leur dire, votre vie compte, n'abandonnez pas espoir, je reviendrai. Quoi. Et ça a commencé comme ça. En fait. J'ai demandé à Innocent, enfin j'aurais demandé à tous, mais Innocent a été extraordinaire là, dans sa réponse.
Si vous deviez résumer votre vie en une phrase, ce serait quoi? Et lui, il a dit, être comme ça. Il dit, moi, depuis que je suis né, je cours. Pendant toute ma vie, j'ai couru, et jusqu'à arriver à l'âge adulte, maintenant, il a 41 ans, et j'ai couru pour me rendre compte que je suis arrivé nulle part. Et ça, c'était, en une phrase, le résumé de sa vie. Oh, incroyable. Et donc, je leur ai dit, et si on faisait toute une séquence où vous courez Et donc, tous ces moments de mise en scène viennent de discussions complices avec eux, en fait. Cette complicité fait que, par exemple, quand ils courent parce que la police leur court après, ils courent parce qu'ils doivent chercher du boulot, ils courent parce que leur vie est une course contre la montre pour pas mourir tout de suite, il faut bouffer encore aujourd'hui. Et c'est ça qui nourrit leur course, en fait. La police, comment on a identité, pourquoi Boutchev, banan nettoyé. Mimi, c'est quoi Boutchev? Mimi, Jinangu et tout. Niko maskini, siko mouadji, siko criminel. C'est Etou qui n'arrêtait pas de dire on est invisible, notre existence n'a pas de valeur sur Terre. On pourrait tous disparaître comme ça, comme Zorito, ça ne changerait rien. C'est énorme. Et le fait d'être à leur hauteur et puis tout d'un coup de partir jusqu'à ce qu'ils disparaissent de la surface de la Terre, c'est l'expression de cette angoisse existentielle, en fait, des tout. Et en plus, ça raconte... Ces moments-là, ce sont des moments accompagnés d'une musique baroque. Et la musique baroque, c'est pas une musique burundaise, c'est une musique... C'est ma musique, si tu veux, c'est pas leur musique. Et quand je parle de ce fossé qu'il y a entre nous et qui fera qu'on sera toujours des étrangers, cette musique, pour moi, raconte le fait que même si je suis avec eux, je serai toujours un étranger. Je partage pas leur vie et partage pas la mienne. Alors bien sûr, une amitié peut transcender ça, mais n'empêche, quelle est la bonne position, quelle est ma place en tant qu'être humain et en tant que cinéaste face à eux? Eh bien, ce mouvement d'élévation, c'est un mouvement d'élévation spirituelle, mais aussi c'est un mouvement de questionnement. Qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Je fais ami-ami avec eux, je suis avec eux, mais est-ce que c'est juste? Et ça trouble beaucoup de spectateurs, parce que tout d'un coup, ça les bouge, ça leur dit, mais qu'est-ce que... On quitte cette intimité, là. Qu'est-ce qu'il fout, là, le réalisateur? Je leur dis, oui, je vous mets dans le malaise dans lequel je suis. Je partage mon malaise, en fait, avec vous. Qu'est-ce que je fais de ça? Je sais pas. Je sais pas quelle est la bonne place, en fait. Je la cherche sans arrêt, à chaque plan. Et au montage aussi, et j'essaye de trouver la meilleure place, mais ce n'est jamais la bonne, en fait, parce qu'il n'y a pas de bonne place. C'est terrible. D'abord, Philibert, battu à mort pour avoir volé quelques poissons, puis Zorito. Zorito, quand on s'est retrouvé cette fois-ci, tu m'as dit « C'est trop tard, Filippo. Tu es venu trop tard. » Le soir même, tu nous quittais. Comme tu le désirais, je t'ai filmé jusqu'à la fin. La leçon, c'est tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. C'est ça qu'ils disent. Et tant que je suis vivant, je suis pas mort, donc je continue à faire des films. Merde, parce que j'ai envie de faire des films, et parce que j'ai besoin de faire des films. Si je fais pas de films, je suis pas bien. Si je raconte pas d'histoire, je me sens pas bien. Je me sens vide, enfin pas vide, parce que ma vie est bien pleine, mais il y a un vide en tout cas. Et donc voilà. Tant que je suis pas mort, je suis en vie, et donc ça continue. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.